Maboko, 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 maboko. Je veux que nous soyons tous ce jour-là avec Dieu.
nous t'avons encore, mon Dieu. Nous prions pour notre frère. Après, il va passer le sachet. Et tenez nous bénissons pour notre bien-aimé qui va encore être là devant nous, Seigneur. Avec les députés, tout soit considéré comme mon cœur. Mais c'est toi, ton véritable Seigneur, mon Dieu. Tu es le véritable Seigneur. Parlez-nous, Seigneur, mon Dieu, à travers le bien-aimé, la gloire, le petit frère David. Nous voulons que tu nous enseignes encore, Seigneur. Que tout ce qui est en vie charnelle, Seigneur mon Dieu, que tout ce qui ne venait pas de toi, Seigneur mon Dieu, nous chassons de nous au nom de Jésus-Christ. Nous voulons que tu puisses prendre toute la place, Seigneur mon Dieu. Que tu puisses encore remplir ces liens, Seigneur mon Dieu, à ta présence. Chaque phrase, chaque mot, Seigneur mon Dieu, puisse venir de toi, Seigneur mon Dieu. Nous le laissons quitter cette main, Seigneur mon Dieu. Parle à travers le Seigneur mon Dieu. Et remplis encore ton sur ton Père, Seigneur mon Dieu, et ton esprit. Au nom de Jésus-Christ, dans le Seigneur. Amen. Nous appelons les frères gloire. Et dès qu'il arrive, il prend le micro. Nous allons acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Très bien. On va encore célébrer pour chanter un peu pour le Seigneur. Alléluia. Oh, les rois salut pour les lingas, les kobikanaka, la lina kobanga, 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 la lina Nous allons prier le Seigneur. Seigneur, merci pour ce moment que tu nous as accordé d'écouter encore ta parole, Seigneur. Te demandant que tu puisses nous éclairer à travers cette parole, que nous puissions comprendre les choses d'en haut, que nous puissions comprendre comment vivre dans ce monde, que nous puissions comprendre et que nous soyons éclairés par ta parole, afin que nous puissions préparer notre rencontre avec toi, car nous sommes les 12 qui attendons ton contre toi l'homme du mariage. Que ton nom soit béni pour ce moment. Que ton nom soit béni pour ce moment que tu nous as accordé. Ensemble avec mes bien-aimés, nous acclamons très fort pour le Seigneur. Amen. Que ton nom soit béni. Amen. 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 Vraiment, je suis très content, très très content de voir encore mes frères parmi nous. De voir encore les gens avec qui nous mangeons la même parole. Les gens avec qui nous mangeons ce qui est la parole du Christ. Alléluia. Car ce qui est important pour nos vies, ce qui est important pour nous, c'est ne pas seulement de manger le pain physique, mais c'est de manger la parole de Dieu. Car cette parole nous donne la vie, cette parole change nos vies, et cette parole transforme nos vies. Vraiment, je bénis le Seigneur, je bénis puisque j'ai remarqué que, et je me suis rendu compte que, tel que nous sommes là, nous marchons guidés par le Saint-Esprit. Déjà, je devais me présenter, je commence par présenter vraiment mes excuses à l'ensemble, puisque je devais être là, c'était le dimanche, je ne sais pas quand, et je n'étais pas venu, parce que j'avais eu un petit problème qui avait vraiment perturbé. Mais par contre, le dimanche d'après, j'ai suivi le frère Patty, qui avait parlé ici, et qui commençait à parler des quatre manières. Il avait introduit, en fait, on a suivi tous ensemble. Et c'était vraiment exactement de ça que je voulais parler ce jour-là.
Donc, les quatre manières de parler. Donc, pourquoi quatre manières? Puisque la Bible nous dit, nous allons le lire donc dans le livre de 1 Corinthiens 14, verset. Donc, on va commencer à partir du verset 1. On va les aider dans la lecture. Corinthiens 14, on commence à partir du verset 1. Amen. Amen. 1 Corinthiens chapitre 14, du premier jusqu'au. On commence du verset 1, après je dis ça. Cherchez la charité, aspirez aussi au don spirituel, mais surtout à celui du prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne comprend et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes et l'édifie, l'exhorte et console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. On va s'arrêter là pour l'instant, on va continuer tout à l'heure, toujours la même écriture. Donc, si on comprend ici, là, on va parler du parler en langue, mais je ne veux pas toucher vraiment la direction dont on va vouloir prendre, donc tout le monde connaît, le parler en langue par rapport à tout ce que les gens comprennent. Mais par contre, nous allons toucher d'une autre façon, car nous avons vu, c'est l'apôtre Paul qui nous dit, ça ne sert à rien que je vienne auprès de vous si je vous parle pas en doctrine, en connaissance, en prophétie, et voilà, là c'est moins clair. En prophétie et à par révélation. Donc, si je viens vous parler en langue, vous n'allez pas comprendre ces choses. C'est ce que nous vivons ici. Tel que nous sommes là réunis, c'est pas tout le monde qui comprend les langages que beaucoup on va parler ici. C'est pas tout le monde qui va saisir certains langages. Voilà pourquoi on a eu des difficultés. Il y a beaucoup de gens qui nous ont rejoints, qui ont dit, vous parlez tellement, oh, vous volez tellement, vous partez tellement très loin. Alors, il faut qu'on puisse comprendre déjà ces choses. Pourquoi nous parlons comme ça? Pourquoi tel bien-aimé parle comme ça? Pourquoi on lit les Écritures, mais on l'interprète d'une autre manière? Puisque la Bible, telle que nous le voyons noir sur blanc, ce n'est pas exactement ce que nous devons interpréter. Mais par contre, ce que toi tu vois par rapport aux Écritures, telles que c'est écrit noir sur blanc, mais ça veut dire autre chose. Donc c'est un parler en langue. Un parler en langue, comment? Lorsque nous voyons la loi, nous avons vu Moïse, nous voyons tout ce qui s'est passé, tout ce qui a été écrit. Nous avons vu Jésus même qui est venu sur la terre, qui a fait des miracles. Tous les miracles que Jésus a fait, c'était du parler en langue, puisqu'on ne pouvait pas comprendre exactement ce que ça voulait dire. Lorsque Jésus a ouvert les yeux aux aveugles, toi tu vas voir ouvrir les yeux aux aveugles, mais ça a une signification. Lorsque tu vois Bartimée, Jésus a guéri Bartimée, ça a une signification. Lorsque tout ce qui s'est passé, lorsque nous voyons Moïse a fait ceci, Moïse bégayait, tout ça, ça a une signification. Mais par contre, si tu prends ça et que tu le lis comme une lecture, c'est là que tu seras perdu. Pourquoi? Parce que tu auras le songe, mais pas l'explication du songe. Amen. Amen. Or, le songe ne donne pas la vie, mais c'est l'explication qui donne la vie. Amen. Car l'explication du songe te donne la direction. L'explication du songe te montre la directive, comment tu vas marcher. Comme on va voir Pharaon qui avait un songe, bah, son songe allait servir à quoi s'il n'y avait pas d'explication? Bon, j'ai un songe, c'est bien, bah, ça reste un songe. Mais s'il n'y a pas d'explication, il n'y aura pas de vie, il n'y aura pas. On ne sera pas édifié sans explication. On peut lire la Bible, mais s'il n'y a pas d'explication des Écritures, le peuple sera perdu. On peut appeler un monsieur. Voilà pourquoi la Bible, ce n'est pas un livre dont on doit lire en français, en anglais, en portugais. La Bible, c'est un livre dont on a donné à une personne qui sait lire. Il dit non, je ne sais pas lire. On donne à une personne qui ne sait pas lire, il dit non, je ne sais pas lire. La Bible, c'est un livre qui est cacheté. Pour comprendre, il ne faut pas seulement le lire, car c'est un parler en langue. Le parler en langue, il faut l'interprétation. Sans interprétation, personne ne pourra être sauvé.
Sans interprétation, personne ne comprendra la direction à suivre. Sans interprétation, personne ne verra vraiment l'explication des Écritures et ne comprendra rien. Et ça va lui servir à rien. Voilà pourquoi nous voyons beaucoup de gens. Il prend juste deux versets. Jean 3,16, c'est ça, non? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il commence l'interprétation. Dans l'explication, quoi. Hein? Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ah, c'est lui qui a dit, il a répété ce qui est écrit. Mais nous avons compris que Dieu n'a pas aimé le monde, mais Dieu a aimé les siens. Amen. On est d'accord? Dieu n'a pas aimé le monde, mais il a aimé les siens. Mais lorsqu'on lit noir sur blanc ce qui est écrit, ça sera un songe qui a été mal interprété. Et le peuple sera perdu. Lorsque je parle du peuple, ça veut dire une personne qui a le songe, mais pas d'explication. Ça va le tuer. Donc, vous attendez que je donne un thème. Aujourd'hui, chacun va chercher le thème qu'il va donner. C'est pas si je dois dire quatre manières de parler. Je dois dire le parler en langue. Je dois dire chacun cherche ce qu'il va trouver. Mais vraiment, je suis dans les quatre manières de parler. Donc, en parlant de cela, je vais expliquer pourquoi le parler en langue ne sauve pas, ça n'édifie pas. On va continuer avec mon bien-aimé. Nous étions dans 1 Corinthiens 14, verset... on s'est arrêté au verset combien? Verset 5. Voilà. Je continue. La Bible dit, « Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore que plus que vous prophétisez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ces dernières l'interprètent pour l'Église en recevant l'édification. » Voilà, on va s'arrêter là pour l'instant. On reste toujours dans la même écriture, on va donner d'autres témoins aussi. Mais pour l'instant, pour commencer, on va rester là. Alors, nous voyons ici le parler en langue. Et le parler en langue, c'est quoi? La direction que beaucoup de gens attendent, ce n'est pas la direction que je vais prendre aujourd'hui. Le parler en langue, c'est quoi? C'est un songe. Le parler en langue. En explication, déjà, si je parle doctrinalement, vous allez comprendre que les parler en langue, en fait, c'est comme, c'est prière. Donc, parler en langue, c'est prier à Dieu, et c'est aussi sous prophétie. Donc, ça veut dire, on parle en langue à l'église, à l'ensemble tel que nous sommes là. Alors, une personne qui parle en langue, parle à Dieu, donc il adresse une prière à Dieu. Donc, ça n'édifie que lui. C'est une prière qu'il adresse à Dieu. Mais une personne qui parle en langue dans l'assemblée, il prophétise. Voilà pourquoi, dans l'ensemble tel que nous sommes là, une personne qui parle en langue et qu'il n'y a pas d'explication du parler en langue, il ne donne pas la vie. Il n'édifie pas l'église. Ça ne sert à rien. Je ne sais pas si vous voyez la direction dont je prends. Je me lève ici, je commence à parler en langue. Lorsque je parle en langue, il y aura un bien-aimé qui aura l'explication pour interpréter le parler en langue. Mais si personne n'interprète le parler en langue, ça n'édifie pas l'église, alors tu t'étais. Soit tu parles en langue toi-même, tranquillement, mais tu ne parles pas à haute voix. Pourquoi? Parce que lorsque tu parles comme ça à l'église, ça doit édifier l'église. En quelque sorte, lorsque tu viens enseigner, tu viens parler au peuple de Dieu, le peuple de Dieu, tu dois faire sortir l'interprétation du parler en langue. Sinon, si tu viens seulement nous parler en langue, ça ne nous édifie pas. Hein. Nous comprenons que tu ne donnes pas la vie, car tu nous bugais. Lorsque, surtout sur Facebook, il y a beaucoup de prédicateurs qui sont sortis sur Facebook, qui commencent à nous parler en langue sur Facebook. Pas d'interprétation. Qui parle en public. Ça ne divise personne. Nous t'entendons parler du songe, mais pas d'interprétation du songe. L'intérêt que nous sommes là, non. Lorsque nous parlons de la part de Dieu, nous devons comprendre l'explication du songe. Or, une personne qui parle en langue, c'est une prophétie. Et nous croyons que, tel que nous parlons là, on peut parler par prophétie, par doctrine, par révélation et aussi par connaissance. Amen. Amen. Alors, on va toujours garder l'écriture d'un Corinthien, parce que je vais continuer, je vais traîner un peu là aussi. Mais par contre, nous devons comprendre
les quatre manières de parler. C'est quoi les quatre manières de parler? Donc nous entendons doctrine, prophétie, révélation et connaissance. Les quatre manières de parler, c'est les quatre façons dont nous allons lire, je pense que c'est dans... Qui peut m'aider en fait? Je pense que c'est toujours dans l'écriture dans le sang. Là où l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre dit, c'est... Ah, c'est au verset 6, hein? Voilà. On va reprendre cette écriture-là. Je lis la parole. Oui. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parler en langue et si je venais vous parler en révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine? Voilà. Par révélation, par prophétie, par connaissance ou par doctrine. Alors, c'est quoi la révélation? C'est quoi la prophétie? C'est quoi la doctrine et c'est quoi la connaissance, hein, que j'ai oublié peut-être. Hein, voilà. Nous allons comprendre que la révélation et la prophétie, la connaissance et la doctrine sont les quatre manières de parler. Donc, en quelque sorte, c'est les quatre piliers qui tient. Vous voyez la table dans le temple, comment dans le temple, dans le lieu saint, nous avons vu, il y a 12 pains de proposition soutenus par 4 pieds. Et les 4 pieds, là, je ne vais pas toucher 2 sacerdotes. Là, je m'arrête à l'église, en fait. Les 2 pieds que nous voyons là, et les 4 pieds que nous voyons là, c'est les 4 manières de parler. En quelque sorte, nous voyons, c'est les 4 êtres vivants. Nous voyons que c'est les 4 évangiles écrits dans les Écritures. Alors, mais qui sont soutenus par le... il y a 12 pains, mais en face, nous avons vu dans le temps, il y a le chandelier qui est aussi soutenu et qui éclaire le pain. Et le chandelier qui éclaire le pain, c'est pour donner, en fait, c'est le Christ qui éclaire la parole et qui est soutenu par les 4 manières de parler pour l'édification du corps qui est l'Église. Amen. Amen. Alors, les 4 manières de parler que nous voyons, révélation, prophétie, doctrine et connaissance. C'est que je voulais vraiment toucher, je ne vais pas le toucher aujourd'hui puisque c'est un peu, j'allais vraiment plus aller trop loin, j'ai parlé avec mon bien-aimé Serge. C'était même les 4 femmes de Jacob que je ne vais pas toucher, ça va nous pousser à aller vraiment en profondeur. Lorsque je dis 4 femmes de Jacob, beaucoup des gens seront peut-être perdus. Ah voilà, en plus il avait 2 femmes, mais il faut savoir que non, les 2 femmes avaient aussi des servantes. Donc nous comprenons que non, les 4 femmes, il y avait 2 qui étaient esclaves. Là, je donne juste l'eau dans la bouche, mais je ne veux pas rentrer en profondeur. Je vais rester vraiment dans le sujet. Les 2 qui avaient aussi 2 servantes, chacun, c'était Léa et Rachel, qui avaient chacune une servante. Or, parmi les 4, il y a 2 qui sont libres et 2 autres qui sont esclaves. Et ceux qui sont libres, c'est ce qu'on appelle la base, c'est Rachel et Léa. Et les esclaves, c'est... Bila et voilà, c'est les 2 qui sont deux autres qui sont esclaves. Mais par contre, il faut savoir que non, les 2 femmes qui sont libres, c'est les 2 manières de parler dont nous avons la liberté. C'est là qu'on dit que non, je peux aller ceci, je peux aller par cela, je peux aller ceci, je peux aller par cela. Et une autre peut prendre cette autoroute, l'autre peut prendre l'autre autoroute. C'est la connaissance et la révélation. Mais par contre, les 2 qui sont esclaves, c'est la doctrine et la prophétie. Puisque la prophétie, on ne peut pas changer. La révélation, on peut aller. Quelqu'un peut avoir cette direction, l'autre peut avoir cette direction. Mais la prophétie, on ne peut pas changer. Et la doctrine, on doit la respecter. Mais je ne vais pas aller dans cette direction-là. Ça, c'était juste une parenthèse. Alors, nous voulons savoir la révélation plus la prophétie. C'est les 2 manières de parler dont... Lorsque une personne prend la révélation et la prophétie, c'est là qu'on a dit, on dit que non, il est en train de voler. Donc, il prend une direction et il est en train de partir. C'est la révélation plus la prophétie. C'est les 2 manières de parler qui nous font monter comme des aigles, en fait. Et par contre, la doctrine et la connaissance, c'est les 2 manières de parler qui nous font. Donc, c'est là qu'on court comme des autruches dans la doctrine et dans la connaissance. Amen. Voilà pourquoi nous essayons un peu de courir pour que nous puissions comprendre certaines choses.
Nous essayons un peu de planer un peu, de parler d'une manière un peu simple pour que nous puissions comprendre certaines choses. Puisque, tel que nous sommes là, nous comprenons que la doctrine, lorsqu'on parle de la doctrine, on parle des choses qui expliquent vraiment les bases, les fondements des Écritures, les fondements de l'Église. C'est pourquoi, pour que l'Église soit assise, vraiment pour que l'Église puisse comprendre d'abord la base de ce que nous allons parler. Puisque si l'Église ne comprend pas d'abord ces choses, des choses qui sont vraiment de la base, donc lorsqu'on va aller un peu plus loin, les gens seront perdus. Amen. C'est là que on va voir certaines choses qui se passent dans la Bible, on va voir certaines images qui se passent dans la Bible, qui sont juste des parler en langue, mais on n'a pas compris vraiment l'interprétation. C'est comme il y a plusieurs personnes qui disent que non, vous avez moyen de voir la croix à Kotalola. Puisque Yesalbakinaï a Kotalola Kadilo. Beaucoup de gens le disent. Mais ça va nous signifier quoi? Le voleur sur la croix, il y avait deux. Jésus au milieu. Un à gauche, l'autre à droite. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc nous voyons le voleur qui est au milieu, l'autre à gauche, l'autre à droite, et Christ qui est au, Jésus qui est au milieu, un voleur à gauche, l'autre à droite. Lorsque tu vas le voir comme ça, toi tu ne vas pas comprendre. Tu vas dire, ah, Yesu Mawa, t'as la route mon tourso en dimie, ou alors on se boye. Ah mon terre ma belle, c'est ça. Tu vas voir, avoir un peu cette image-là par rapport aux Écritures. Mais ça t'a tué. Ça a eu l'explication. Donc si tu cherches à comprendre l'explication, c'est là que tu vas comprendre. Ça va te donner la vie. C'est là que tu vas préparer ta vie. Or, le voleur que nous voyons au milieu, c'est toute une personne qui est vraiment notre Seigneur Jésus-Christ. C'est tout un homme que nous voyons là. La femme, c'est le voleur à gauche. Et nous avons aussi un voleur à droite. Donc nous voyons deux peuples automatiquement. Les deux peuples, il y a un peuple qui a régné le Seigneur. Un peuple qui a rejeté le Seigneur. Qui a refoulé le pain. Mais il y a un autre peuple qui a dit non. Moi j'accepte. Il est venu chez les siens, mais les siens l'ont abandonné. Alors il a tourné ses regards vers une autre nation. Et cette nation, c'est l'Église, c'est nous autres, amen. Nous les chiens, amen. Nous les femmes cananéennes. Il a tourné ses regards vers nous. Nous voyons le peuple de la gauche. Aujourd'hui, il est où? Il n'est pas au paradis. Mais le peuple... Et le peuple de droite aujourd'hui n'est pas au paradis. Mais le peuple de gauche, aujourd'hui même, il sera avec moi. Où? Au paradis. Alors, moi, je suis là. Tout le monde, moi, je suis là. Physique. Aza, what? C'est une question. Beaucoup de gens disent qu'à Rotalola. Bon, Aza, Jésus l'a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Quelqu'un peut me répondre à ça? Non, c'est dans la promesse. Ils attendent. C'est la promesse. Comme la Bible dit, donc, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Je ne sais pas, on va savoir, on va comprendre un peu ces choses. Lorsque Jésus dit au voleur à gauche, qui est l'Église, que aujourd'hui, toi, tu seras avec moi au paradis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que non, aujourd'hui, pendant aujourd'hui, pendant que Jésus a proclamé une année de grâce du Seigneur. Et cette année de grâce a commencé depuis qu'il est mort sur la croix jusqu'à lorsqu'il viendra prendre l'Église. Et ça sera demain. Non, ça ne sera pas demain, ça sera aujourd'hui que amen. Nous irons à la rencontre de l'époux. Mais aujourd'hui, au temps du soir. Amen. Mais ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Car un jour devant le Seigneur est comme mille ans. C'est qu'au jour où on va comme mille ans. Alors, aujourd'hui, lorsqu'il dit, non, oui, bien, là, ça va, là. Non, oui, sauf qu'il est au Kélicolo, mais si on parle physiquement comme ça, non. Amen. Est-ce que vous avez compris cela? Amen. Maintenant, lorsque tu vas voir ces écritures, s'il n'y a pas d'explication, tu ne vas pas comprendre. Toi, tu vas voir physiquement. Tu ne vas pas comprendre, puisque c'est un parler en langue. Par rapport à ce que je viens de dire là, un autre bien-aimé peut faire sortir encore autre chose, mais qui va partir toujours dans la même direction. Est-ce que nous comprenons? Donc, nous avons compris que non, le parler en langue ne donne pas la vie.
Mais par contre, c'est l'interprétation du parler en langue qui donne la vie. Tu peux avoir le songe, comme le pharaon avait eu le songe, mais par contre, s'il n'y a pas d'explication du songe, ça ne peut pas donner la vie. Alors, parler en langue, si vous comprenez bien le terme du parler en langue, je l'utilise comme étant le bégayement de Moïse. Je l'utilise comme étant une manière de parler dont les gens ne comprennent pas. Je l'utilise une façon de parler, mais qui ne donne pas la vie. Et si ça ne donne pas la vie, ça ne sert à rien. Voilà pourquoi la Bible nous dit aspirez au don de l'esprit, mais plus de prophétie. Pourquoi? Parce que lorsque tu prophétises, c'est pour l'édification de l'Église. Mais lorsque tu pries, c'est pour toi-même. Lorsque tu parles en langue, tu pries à Dieu, c'est pour toi-même. Mais pour l'Église, l'Église doit être édifiée. Voilà pourquoi nous pouvons voir un bien-aimé qui parle en langue et un autre interprète. Ou même, Dieu peut le faire aussi grâce d'interpréter et de parler en langue. Et lorsqu'il interprète, ça sauve une personne, ça sauve une autre personne. Pourquoi? Parce que la parole qui est sortie a édifié. Mais si quelqu'un vient pour parler en langue, ou donc pour parler en langue dans le sens dont je prends, il emmène un enseignement, mais cet enseignement n'a pas d'explication qui peut donner la vie. Il ne fait pas sortir l'enseignement qui peut donner la vie. Donc nous comprenons que cette personne n'édifie pas l'ensemble. Donc ça ne sert à rien. Est-ce que vous me saisissez? C'est comme, vous allez voir le bégayement de Moïse. Moïse qui parle en langue. Pourquoi il parle en langue? Puisque la façon dont Moïse était en train de parler, ça ne pouvait pas édifier. Sa personne ne pouvait peut-être bien comprendre. Puisqu'il buguait, il va vouloir dire Kinga, Kinga, hein, Kinga. L'autre dit Kisangani, hein, Kinga. Hein. Or, il voulait dire Kingantoko. Mais chacun a interprété de sa manière. L'autre, peut-être, il est parti avec une autre idée. Non, c'est compliqué. Mais pour comprendre le parler en langue de Moïse, donc, comprenons ici le parler en langue sous forme de bégayement. Ça veut dire que non.